Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ouvrage qui sort de mes domaines habituels de prédilection, puisqu'il s'agit d'un ouvrage du contentieux administratif. Il est intitulé « Droit du contentieux administratif » et il est publié aux éditions Gallinho. Alors, cet ouvrage, il a la particularité d'avoir été écrit par deux personnes, Clémence Barré, qui est à la fois magistrat administratif, enseignante à l'université et qui est aujourd'hui détachée au sein des juridictions financières et procureur, plus particulièrement procureur au sein de ces juridictions, et Pierre-Xavier Boyer, qui lui connaît la procédure de l'autre côté, puisqu'il est avocat et qu'il est aussi maître de conférence à l'université de Rouen. Alors, cet ouvrage, je vais vous le présenter son contenu, puisque sur le site de l'éditeur, vous pouvez accéder à une partie de l'ouvrage. Vous pouvez le feuilleter. Voici. Alors, le droit administratif et son juge, c'est la première partie, mais je voulais vous présenter avant tout le plan de l'ouvrage qui se divise en 6 parties. Voici. Donc, la première partie concerne le droit administratif et le juge. La deuxième partie concerne la juridiction administrative. La troisième partie concerne le recours devant le juge administratif. La quatrième partie, concerne la recevabilité des recours. La cinquième partie concerne l'instance. Et la sixième et dernière partie concerne la décision de justice. Alors, pourquoi je vous ai présenté cet ouvrage? Parce que moi, ça m'a permis d'avoir un aperçu du contentieux administratif. C'est un memento. Mais ça m'a permis aussi, et surtout en tant que privatiste, de comprendre facilement les enjeux du procès administratif et leur déroulement, et notamment pour ce qui me concerne à titre personnel, les différences avec la procédure civile, qui est plutôt mon domaine de prédilection. Voici pour la présentation de cet ouvrage. Je vous rappelle que sur ABC Juris, je vous présente des décisions de justice rendues principalement par la Cour de cassation et des ouvrages publiés dans les matières qui m'intéressent. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à aimer, à partager les vidéos, à me laisser des commentaires. Je vous retrouve très bientôt.